aujourd'hui, je suis très heureuse. J'ai effectué ma deuxième session de Precious Unique. J'ai découvert des richesses insoupçonnées en moi. Un tempérament, des combinaisons qui me permettront d'exercer mon leadership et de me projeter et réaliser mes projets. Comment j'ai trouvé cette journée? Je l'ai trouvée très enrichissante. Ce que j'ai découvert par rapport à mon tempérament, ça me permet en fait d'oser rêver, d'oser écrire donc des projets que j'avais en fait qui brûlaient au fond de moi. Et pour les autres projets que je veux réaliser, ça va m'aider à les concrétiser plus rapidement. C'est violent en fait, dans le sens positif du terme, parce qu'en fait tu te dis, très bien, j'ai tout ça. Non seulement il y en a, mais en plus, il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec ça. En fait, tu te rends compte que tu es riche. En fait. Moi, je me disais, mais je suis très belle de l'intérieur, mais j'ai beaucoup de choses à l'intérieur de moi. Ça vient heurter, en fait, une subtile, allez, on va dire le mot, une subtile sous-estimation de soi, en fait, et aussi une grande méconnaissance de soi. Delali, elle prend le temps de nous expliquer les différentes notions, faire le rapport, le rapprochement par rapport à nous. Elle prend des exemples personnels. C'est bien illustré, donc on peut s'y retrouver. Ce n'est pas juste du développement personnel de façon générale. C'est vraiment des sessions qui sont adaptées en fait à votre personnalité, à votre sensibilité. Je gère les ressources et les dépenses des personnes qui sont atteintes de facultés qui ont une altération de leur faculté mentale et qui ne peuvent pas se gérer elles-mêmes. Et ces personnes, en fait, j'arrive à communiquer avec elles et leur transmettre cette joie, leur transmettre cette lumière, en fait. Et il y en a qui me disent, mais depuis que vous suivez ma situation, je me sens tellement mieux. Et en fait, et ce carcan de tristesse que les personnes, elles ont sur elles, et cette capacité, en fait, à casser ça et à toucher vraiment leur cœur. Vous qui avez des projets qui sont dans des tiroirs, vous qui avez des projets que vous n'arrivez pas à mettre en œuvre, vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, vous pensez que ça ne vous concerne pas, alors qu'au fond de vous, il y a une voix qui vous dit « mais c'est vraiment ça, il faut y aller ». Si vous êtes dans cette situation, venez, n'hésitez pas. Il y a vraiment une équipe qui est chaleureuse, compétente et qui a vraiment envie de vous accompagner pour que vous puissiez vous déployer pleinement. C'est un conseil, venez. En fait, c'est une guérison intérieure, une réconciliation avec moi.